Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Life sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Monsieur, vous allez bien? Vous semblez avoir un problème? Si je vais bien! J'ai l'air d'aller bien! J'ai été enlevé! Comment pouvez-vous avoir été enlevé puisque vous êtes là? Mais quelle question stupide! Bien sûr que je suis là! Je n'ai pas qu'un seul cadre! Vous n'avez qu'une maison, vous? C'est mon autre cadre! Il a été volé! Et à cause d'élèves en plus! Ils ont payé des criminels pour voler mon autre cadre! Oh! Ça doit être terrible. Terrible, oui. Astoria Cricket est terrible. C'est elle qui a manigancé tout ça. Elle et ses amis se plaignaient sans arrêt de moi, les gredins. Et puis, j'ai appris qu'elle comptait rejoindre un groupe de bons à rien afin de me dérober aux trois balais. C'est là que se trouvait mon autre cadre. C'est un bouge, mais je suppose que ça pourrait être pire. J'ai connu quelqu'un qui a été accroché à la tête de sanglier. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Ah, et au sujet de votre cadre volé? Ah, oui. J'étais en train de repoudrer ma perruque quand des scélérats se sont emparés de ma personne et m'ont emmené. Je dois être à mon poste. Je fais un travail important pour le directeur et j'ai besoin que mon autre cadre retourne aux trois balais. Qui est Astoria Cricket et pourquoi voudrait-elle votre cadre? C'est une fautrice de troubles de quatrième année. Elle et ses voyous d'amis discutaient de leurs divers méfaits sous mon nez et m'en veulent de les avoir entendus. Je ne peux que supposer qu'ils ont pris mon cadre pour essayer de me punir pour avoir fait mon travail. Qu'entendez-vous par un travail important pour le directeur? Disons que j'entends beaucoup de choses chez Sirona et que le directeur aime bien tout savoir. Il compte sur moi pour cette tâche. Ça me rappelle l'époque où j'étais préfet. Ah. J'imagine que vous ne savez rien du lieu où le cadre volé a été déposé. Vous pouvez voir quelque chose? Bien évidemment! On m'a emmené dans d'horribles ruines. Un lieu affreux, plein de pierres effondrées, entouré d'eau, d'après ce que j'entends. Oh ! Je me souviens également avoir aperçu la côte. Je vais voir ce que je peux trouver. Oh, vraiment ? Fantastique ! Mais dépêchez-vous, d'accord ? L'endroit où je me trouve est indigne de ma stature. Ne perdez pas de temps ! Bon, on va voir ce que ça mène. Préolard, me voilà. Les gens parlant... Astoria Cricket? Ça dépend. Qui la demande? Ferdinand Pratt. Il a dit que tu as volé son cadre. Je ne dirais pas que je l'ai volé. Je dirais plutôt déplacé. Comment dire ça poliment? Ferdinand Pratt n'est qu'une irascible crapule. Il a de la chance de ne pas avoir fini emmuré. Oh, il n'est pas si horrible, si? Il ne fait qu'épier les élèves et faire des rapports au directeur. Parfois, quand il n'a rien à rapporter à Black, il invente des histoires. J'ai passé 4 heures en retenue la semaine dernière, simplement parce qu'il a dit à Black que je comptais vider le lac, ce qui n'a aucun sens. La coupe était pleine, il fallait que je me débarrasse de lui et de son tableau. Et on peut savoir où tu l'as mis? Nulle part. Le tableau est probablement encore avec les personnes que j'ai payées pour le voler. Il campe dans des ruines, près de la côte. Je voulais juste l'éloigner suffisamment pour ne plus jamais avoir à me soucier de Ferdinand Pratt.
En ce moment, il est en train de crier dans la bibliothèque. Oh, par la barbe de Merlin. Il n'a aucune raison de se plaindre. J'aurais pu le faire accrocher à la tête de sanglier. Précieux comme il est, il aurait détesté ça. Les murs crasseux, l'odeur de bouc et les clients. Un prétentieux comme Ferdinand, il n'en aurait fait qu'une bouchée. Mais ce qui est fait est fait. Il n'est plus là. Et si j'étais toi, je m'en réjouirais. C'était agréable de discuter avec toi. Je suis en bout. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis... C'est une erreur. Le garder a demandé une rançon tout le temps. Réflexion. Confringo. Ce n'était que le début. L'acier fort. Je vais te donner une bonne leçon. Je sais que tu m'es fait. Je sais ce que tu as fait à Ayonamor. Je t'ai fait une main. Confringo. Réflexo. Confringo. Alors comme ça, tu sais te battre. Confringo. Tu vas me regretter. Ce n'est que l'échauffement. Confringo. Dommage que personne. Revelio. 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 Revelio.
Revelio. Ah là. Revelio. Eh bien, il était temps. C'est un miracle que je sois en un seul morceau. Calmez-vous. Je suis là. Me calmer? Ces gredins dehors envisageaient de me brûler. Moi? S'ils avaient un tant soit peu de jugeote, ils auraient réalisé que j'ai bien plus de valeur intacte aux trois balais. Comment ça? Avec tout ce que j'entends, je suis une mine d'informations. Allez, ne restez pas là! Je dois être de retour pour l'apéritif. Cet endroit doit être lugubre sans moi. Bon, je vous ramène alors. Faites bien attention en me portant. Mon haut de chausse est bien assez plissé comme ça. Avez-vous accroché? On n'y voit rien ici! Je proteste! Revelio! Yes, sir, Fox. Pas d'école aujourd'hui? Je me répète, mais je ne vous remercierai jamais. Vous ! Sortez-moi de là, immédiatement ! Vous allez le regretter. Enfin ! Me voilà de retour sur mon mur, et okay. Plus angélique que jamais. Et voilà. Bon retour chez vous. De par leur côté avilissant, je n'use que rarement des remerciements. Mais je crois que vous avez mérité ma gratitude. En témoignage de ma bonne volonté, j'exclurai tous vos méfaits de mes rapports au directeur. Et croyez-moi, on m'en a raconté bon nombre. Hors de ma vue, maintenant! Personne ne doit me voir discuter avec un élève. Allez, oust! Vous n'avez plus à vous inquiéter. Me revoilà. Bon, une autre mission terminée. Revelio. Bonjour, tu es là pour jouer au plateau d'attraction? Tout à fait. Ne t'attends pas à avoir autant de chance qu'aux joutes magiques. En parlant de ça, que dirais-tu de perdre... Enfin, de faire une partie? Bien sûr, Charlotte. Alors, que le meilleur gagne. Action!
prévu. Action. Oh, Alix, je l'ai arrêté pourtant. Quelle grâce. Putain. Bon, je vais partir celle-là. Là. Exactement comme prévu. Par la non. De Merlin, je n'arriverai jamais à faire mieux que ça. Belle technique. Je t'avais allez. Dit que j'aimais la compétition. Ah, j'ai perdu. Pas de chance. Tu veux réessayer? C'est d'accord. Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'aime cette attitude. Prévu. Action. Voyons, c'est ben de la merde. Pourquoi qu'elle curve? Quelle grâce. Quelle finesse. Action. Exactement comme prévu. Dégueulasse! Quelle grâce! Quelle finesse! Action! C'est un massacre, ce genre-là. Quelle grâce! Quelle finesse! Pas de chance. Tu veux réessayer? C'est d'accord. Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'aime cette attitude. De faire plus de points. Un peu comme le curling. Exactement comme prévu. Action. Oh, t'es chanceux. Oh, très chanceux. Barbe de Merlin, je n'arriverai jamais à faire mieux que ça. Action. Ah, yes. Exactement comme prévu. Je comprends pas pourquoi qu'elle s'en va par là. Quelle grâce. Oh, je viens de voir. Si je suis con. Je viens juste de voir qu'il y a des courants d'eau. Oh, je suis con. Comme prévu. Action. Oh, je viens de comprendre de quoi. Quelle grâce. Quelle finesse.
J'ai juste de voir qu'il y a des espèces de courants qui... faut pas que tu la laisses atterrir là. Pas de chance. Tu veux réessayer? C'est d'accord. Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'aime cette attitude. Tiens, si, reste là. Par la barbe de Merlin, je n'arriverai jamais à faire mieux que ça. Exactement comme prévu. Oh oui! Que c'est beau! Ouh, belle technique. Action! Bon, je gagne déjà, j'ai juste besoin de pas faire de gaffe. Action! Quelle grâce! Quelle finesse! Bon, tu sais ce que tu fais. Bon, victoire, enfin. Je sais reconnaître la défaite. Dis-moi, où as-tu appris à jouer comme ça? Je m'entraîne autant que possible. Ah, de l'entraînement? Je devrais peut-être essayer. Eh bien, merci, il ne Fox. Reste plus qu'un seul adversaire. Je n'en dirai pas plus, mais disons qu'il n'est pas le meilleur pour rien. On fait juste des missions annexes. Rebellio. Si vous faites ne serait-ce qu'un mot de... Il y a des coffres là. Rebellio. Ah.
Comment je... Comment je suis supposé aller de l'autre côté de ça? Je fais en sorte que tout soit prêt. Revelio. Salut. Bonne journée si je suis plus là. Oh mes examens. De voir votre intérêt pour la botanique fleurir, si j'ose dire. J'ai toujours dit que voyager ouvrait. Confringo. Mon frère va mieux grâce à toi. Et il m'écoute désormais. Il semblerait qu'avoir des betteraves à la place des pieds remette les idées en place. Aujourd'hui, nous parlerons d'un événement véritablement passionnant. La révolte des gobelins de 1752, son apogée et son déclin. Mais nous examinerons surtout l'effet dévastateur qu'elle a eu sur l'industrie céréalière des sorciers. Nous connaissons d'ailleurs le nombre exact. 632. Mais l'histoire se déroule hors de la salle de classe. Et regardez, c'est l'heure de ma promenade. Impossible de ne pas sentir toute l'histoire qui circule dans Poudlard. Je crois que le professeur veut qu'on le suive. Dirigeons-nous maintenant vers le hall d'entrée de la tour de la cloche. Tout comme le reste du château, il a été achevé à la fin du Haut Moyen-Âge. Le hall et les deux clochers qui le surplombent renferment une myriade d'artefacts intéressants. Revelio. C'est bon de vous revoir. Vous avez réussi à venir à bout de cette dragoncelle, je vois. Ce n'était pas moi, professeur. Je suis nouveau ici. Vraiment. Dans ce cas, bienvenue. Je ne doute pas que mes analyses sur les divers décrets de sorcellerie et autres codes et lois vont vous intéresser, de même que les révoltes gobelines. Non pas que tous les gobelins soient belliqueux. Certains s'intéressent à la politique, à l'image d'Urgit l'Affreux.
D'autres sont des artisans doués comme Bragbor l'orgueilleux. Vous avez dit Bragbor? Je connais ce nom. Lodgok a dit que c'était un ancêtre de Ranrok. Un forgeron réputé. J'imagine que nombre de ces créations gobelines en fer et en argent ont survécu jusqu'à nos jours. Où en étais-je? Ah oui. Revenons-en à notre sujet du jour. Grimbald Brod, un personnage historique tout aussi éminent. Il se trouve dans les environs. Les élèves curieux... Revelio. Grimbald Brod, ce crâne est celui de Grimbald Brod, un célèbre tailleur dont le travail d'orfèvre a permis de réparer bien des capes de sorciers et de sorcières au cours de révoltes des gobelins de 1752. Leur évident, ainsi que tombé malade pendant le combat. Ah oui, je vois que vous avez trouvé Grimbald Brod. Oui, ça m'a bien plu de le chercher. Le frisson de l'érudition. Un sentiment que je connais bien. Bien, intéressons-nous désormais à la gentillesse et au bon caractère de Sœur de la Mare. Il n'est pas loin non plus. Votre devoir consistera à en apprendre davantage sur lui. Une troupe de fiers chevaliers monte à tout jamais la garde sur la tour de la cloche. Enfin, Sœur de la Mare, des cette statuette vieille de plusieurs siècles représente Pangurdon, chasseur de souris téméraire et compagnon d'études. Page du guide, cette armure appartient à Sœur de la Mare de l'Aigresse incarnée, un cheval dont l'amabilité est légendaire et qui remporte soi-disant tous ses combats avant même qu'il ne commence grâce à ses tactiques de négociation à l'amiable. Certains attribuent cet espoir à un sortilège à l'Aigresse particulièrement puissant. Qui se serait lancé à lui-même. Dans leur rang. Professeur Beans, j'ai trouvé la statue de Sœur de la Mare. Bravo! Hélas, l'amabilité de Sœur de la Mare causa sa perte. Il succomba en tentant de sympathiser avec un basilic. Regarder quelqu'un dans les yeux n'est pas toujours recommandé. Il était tellement apprécié de tous que même certains gobelins pleurèrent sa mort. Bien entendu, cela fut vu d'un mauvais œil par le reste des gobelins, car la plupart d'entre eux ne tolèrent pas que l'on puisse pleurer la mort d'un sorcier. Dommage que les gobelins et les sorciers ne s'entendent pas. C'est vrai. Mais imaginez à quel point mon cours serait ennuyeux s'il n'y avait pas de révolte de gobelins. L'histoire a tendance à se répéter encore et encore. Voilà une pensée à la fois rassurante et déconcertante. Les élèves sensés tels que vous en tireront un enseignement. L'histoire est écrite par ceux qui font leur devoir. Un nouveau jeu. Il faut juste faire attention. Finité. Pourquoi faire tant d'efforts pour rien du tout? Revelio. En route pour de nouvelles aventures? Ah.
rébellion. L'endroit a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. Fringo. Bombarda. Allô, Mora. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Rébellion. Allô, Mora. Hey, Sweetie, excuse-moi, j'ai pas vu. Rebellion.
au frigo. Confringo. Confringo. J'ai personne avec qui partager ma victoire. Rébellion. Monsieur Watering, j'attends les inférieurs invoqués par Tana à se rapprocher. Travailler pour Grignotte en tant que conjuratrice de mauvais sort fut un honneur. J'aurais dû me douter qu'on ne pouvait se fier à Tana. Il s'agissait de ma partenaire. Après tout, j'espère que vous me pardonnez. Vous me pardonnerez cette erreur. Dites à ma famille que j'ai trouvé la mort au combat. Fautine. Allô, Omora. Ça pourrait être intéressant de voir où elle mène. Rebellion. Confringo. Rebellion.
Un bug, c'est la première fois que ça m'arrive. J'espère que j'ai pas tout perdu. Allô, Mora. Ça pourrait être intéressant de voir où elle mène. Confringo! D'affilée, ce serait fou. Quel lieu mystérieux et perturbant. Que faire ? Ça va m'emmener. Revelio. Barque Gringotte, destination de Tana et Prof. Fautine. Nos clients nous ont indiqué que l'un de leurs ancêtres avait été inhumé dans une partie de la fortune familiale. Ils craignent que le tombeau ne soit maudit. Merci de rejoindre l'emplacement marqué sur la carte de conjure au mauvais sort que vous y trouverez et de récupérer les objets précieux pour qu'ils reviennent à cette famille. Vous pouvez écrire directement si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bonne chance, Gridco Watering, conjurateur de mauvais sort en chef, Ban Gringot. Revelio.
Au vu des eaux, j'imagine que c'est un tombeau. Revelio. Monsieur Watering, si jamais je m'en sors pas, je vous conjure de consulter toutes les assignations de Tana et moi-même. En matière de conjuration de mauvais sort, le trésor de Tana aujourd'hui ne me laisse penser qu'elle a conservé une portion de tous les trésors trouvés pour elle et n'en a déclaré qu'une fraction du Gringot Foutine. Confringo. Revelio. Confringo. D'où vient Revelio? Pourquoi cette porte est-elle verrouillée? Je dois bien pouvoir grimper sur quelque chose par ici. Je vous écris afin de lorsque vous partirez. À ma recherche que vous ne me trouverez pas, vous sachiez en raison, nous avons trouvé le tombeau où se trouvait le trésor de récupérer, mais au moment de le prendre, Tana a aimé les cadavres qui se trouvaient là afin qu'ils m'attaquent. Je soupçonne de vouloir garder le trésor pour elle. Je vais essayer de contenir les inféries le plus longtemps possible. Revelio. Confringo. Génial, la première pièce du puzzle. Action. Et d'un, plus que deux. Revelio. Confringo. Lumos. Confringo. Confringo. Lumos. Confringo. C'est une clé. Qu'est-ce qu'il protège? Confringo. Thank you.
9 rochers marqués sur la carte. Confringo! Rebellion! Confringo! Rebellion! Par haut, par haut, par haut. Bon. C'est pas de ma faute si tu es une araignée géante mortelle. Bombarda. On va terminer avec cette mission secondaire là. Annexe plutôt. Vous êtes mon prochain adversaire, professeur Ronan ? Tout à fait. Les professeurs aussi ont le droit de s'amuser de temps en temps.
Bien sûr. J'ai hâte de jouer contre vous. Moi de même. Je joue à ce jeu depuis des années. Vous n'avez aucune chance de gagner. Mais essayons tout de même, d'accord? Je suis prêt. Alors, c'est parti! Action! Très joli! Action! C'est regrettable, mais c'est aussi l'opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Action! Très joli! Action! Je ne me rappelle pas vous avoir enseigné à jouer ainsi. Action! Nous faisons tous des erreurs. Vous en faites pas, vous allez vous améliorer. Ne vous inquiétez pas, aucun élève ne m'a encore battu. Vous voulez réessayer? D'accord, j'aimerais essayer d'améliorer mes statistiques. Parfait! Très joli. Action. Je ne me rappelle pas vous avoir enseigné à jouer ainsi. Action. Nous faisons tous des erreurs. Ce n'est pas une façon de traiter son professeur. Action! Nous faisons tous des erreurs. Action! Une telle maîtrise à votre âge, c'est époustouflant. C'est encore à zéro. Bravo, vous m'avez battu à mon propre jeu. J'ai eu un bon professeur. Que de flatterie. Même si je dois avouer que c'est plutôt justifié, j'accepte le compliment en toute modestie. Le nouveau champion du plateau d'attraction a bien mérité un gage de mon estime. Ne prenez pas la grosse tête. Je ne pensais pas que quiconque arriverait à battre le professeur Ronan. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du Caribou.
Canadien. Oh yeah.